Reste un mystère, en marge de sa mort que la presse n'a que peu relayé, très peu de personnes, y compris en Bretagne, semblent connaître Charles Quintrec, alors qu'il est pourtant reconnu, notamment par le monde de l'édition, comme un écrivain de choix et un grand poète breton. Comment expliquez-vous cette situation ? Malheureusement, moi je n'ai pas une réponse très précise à ça. Pour nous, pour la compagnie, en fait, le spectacle sur Charles Quintrec était une commande. Et c'était justement pour réparer une injustice, c'est-à-dire que le nouveau directeur du Théâtre Anne de Bretagne à Vannes trouvait, comme vous, que c'était injuste qu'on ne parle pas de Charles Quintrec, qui est pourtant de Plescop, donc tout près de Vannes, et donc absolument parfois inconnu du grand public. Et donc le directeur du théâtre, Gilda Le Gotterf, a dit qu'il faut absolument qu'on lui rende hommage et qu'on fasse quelque chose pour lui. C'est pour ça qu'il nous a appelés. J'ai rencontré du coup sa famille, en particulier sa fille Jacqueline, et elle-même ne s'explique pas beaucoup pourquoi cette ignorance ou pourquoi cette indifférence de la part des journalistes. Et certains témoins, amis qu'on interroge à Vannes disent que peut-être son caractère, peut-être comme vous disiez, le côté un peu irascible, le côté un peu bougon, a peut-être fait qu'il a finalement fait autour de lui une sorte de rempart vis-à-vis du public et des journalistes. Peut-être, mais je n'ai pas l'explication claire.